Cartel. Panda biker. If you do it and do it well, it's the one and only Ink Cartel. So let the pain get this. Hey yo, Cartel Panda Mike. Yeah. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 de Dans la tête d'un Mayofer. Et il s'agit cette fois-ci du mode Hardpoint qui est point cetera E-T-E-G-I-C. Donc c'est un mode de jeu, certes. Voilà, bon, ça tout le monde le sait quand on joue à Call of Duty, que ce est un mode de jeu, n'est-ce pas? Et donc, voilà. C'est un mode de jeu fort sympathique. Moi j'aime beaucoup y jouer tout simplement parce qu'on tombe sur des mecs qui savent tenir leur manette. Ce qui rend la tâche un peu plus difficile, mais ça reste jouable pour eux. Oh pardon. Ce qui reste faisable pour nous les naïfers pour filer. Oh là là, il y a du noob. Bon, il y a L2 Kempi là qui va nous saouler. Oh, je sais pas viser, faudra m'excuser. Lui, ça lui passe à travers. Quad! Quad Spy Drone! Oh, elle est broc de fois. Oh là là, et oh. 4 premiers kills dans les games, c'est une quad feed, quoi. Putain, je suis dégoûté, c'était une quad Spy Drone et tout. Bon, elle était un peu moche, mais bon, c'est pas grave. Pour un live, ça fait toujours zizir. Bon, elle est broc. Hein. On va pas s'enjailler non plus, comme disent les jeunes. Oh, on est à 6-0, 6-1, pardon. Waouh, ce dodge que j'ai mis. Oh, j'aurais aimé lui mettre là. Toi, t'es mort. Je te mets le UAV aussi, t'inquiète, moi aussi je suis balèze. Ah là, j'ai mis des coups de brain. Eh, c'est un bon lobby ça. Hein. Pour une fois que c'est pas des desserto players wannabe. Oh, il me panique knife. Toi tu meurs. Toi là-bas. Tu prends pas. Waouh. Et j'ai un truc dans l'œil qui fait que je vois à moitié. Dommage que vous voyez pas. Comme moi je vois parce que là ça aurait été un peu flou en fait. Regardez-le, l'autre là avec son lance-roquette. Il est là-haut, lance-patate, like a boss, il est content. Voilà. C'est à l'ennemi ça ou à l'allié? C'est à l'ennemi. D'accord, merci, se fait zizir. Il sait pas regarder. T'as eu de la chance toi hein. Donc ouais, c'est un mode très agréable. Franchement, moi j'aime beaucoup y jouer, même quand c'est contre des mecs qui jump shot, etc. C'est plus compliqué, mais ça reste jouable, ça reste sympathique. Ça reste un challenge quoi. Bon, triple. Quad broc, non, même pas, il a pas pris. Dommage, ça aurait pu faire deux quads dans la vidéo. Donc vous voyez, ça reste fidable quand on tombe sur des noobs, et après ça devient un défi contre les deserto players quoi. Les wannabes. Mais moi j'aime beaucoup tout simplement pour ça. Voilà. Je vais pas répéter 5 fois ce que je dis, hein, parce que là je suis un peu concentré, donc excusez-moi. Et voilà. Très agréable, moi j'aime beaucoup. Voilà. Ça. Il y a moyen de faire des trucs assez sympas. Voilà. Après j'ai un wiktage qui est en train d'être édité, donc je sais pas où il en est dans l'édit hein, tout simplement. Ce sera fait par un nouvel éditeur de la INK, Ryzen. C'est un wiktage en fait, et j'ai quelques clips en Hardpoint d'ailleurs. Voilà, j'ai du MME je crois, je sais plus. Parce que bon, là je vous enchaîne en fait, je viens de faire celle sur le momentum, là je vous fais celle sur le hard point. T'as eu de la chatte, que je me sois fail. Oula, merci. Attendez, esquive, on arrive dans le dalle.
Attendez, il y avait un mec ici. Ok. Ouais, un dalle des dos. Oh putain. On va tuer. Putain, je fais un assez bon score, ça. C'est cool. C'est clair que c'est pas dans ce jeu que je vais faire 83 kills. Hein. Ni une DNA, je pense. Bon, lui, il est mort. Voilà. Ça devrait arriver d'ici. Si je ne me trompe pas. Ah, voilà, ils sont tous là. Ouah, mais j'ai un shoot de merde. Bon, vous voyez, ça, c'est le genre de mecs qui sont un peu galère à choper. Mais ça reste sympathique. Ça donne du challenge, quoi. Enfin, après, voilà, je sais que beaucoup de knifers aiment aller en momentum. Parce que, voilà, c'est facile pour filer. Voilà. Mais bon, après, je trouve que les filles se ressemblent toutes. T'as l'impression d'avoir tout vu, quoi. Même quand tu fais des feeds avec des armes dans les mains, enfin, ça se ressemble tout. Donc moi, maintenant, je préfère faire des feeds avec mon couteau tactique et dans d'autres modes de jeu, quoi. Bon, moi, je vais me cacher parce que, voilà, ils ont un paladin de merde. Il est où ? Ça lag! C'est le paladin qui fait tout laguer là, putain. Ah, c'est insupportable quand ça fait vibrer l'écran. Mais je lag en plus, putain. J'ai fait voir. C'est... Pourquoi? N'importe quoi depuis quand j'ai. Waouh! Ah, ils aiment bien. Ils sont bien. Ils sont au KLM. Attendez, on va. Et aller comme ça. Si tu te bloques contre des poubelles cartel, on n'y peut rien après. Mais comment tu sais, putain? Toi-même tu sais, ma gueule. Bon, on va faire l'arrivée du Père Noël. Oh, oh, oh. Voilà. Mais lui, il est trop fort ce mec. LE27 là, LE2 là. Kempi casse-couille quoi. Ah ouais, mais il se met derrière le banc maintenant. Ouais, bon, le mec qui fait des quads d'alarme. Moi je t'ai mis une quad spike drone, enculé. Moi. Toi t'es mort. Ouais, mais regarde ça. On va les contourner, hein. On est débiles en fait. Ah là, il est mort, le camping. Oh, il me saoule à me... Je l'ai frappé, je vais me vénère, wesh. Et ils sont tout le temps dans mon dos, je sais pas ce qui s'est passé là, je suis pas bon, j'ai joué l'objectif. Lui, je l'ai vu là-bas. Esquive. Et il est là. Ouah, je t'ai défoncé, toi. Ouah, ils sont partout. C'est ça, par contre, c'est pas comme le momentum, ça peut très vite arriver dans ton dos, partout, voilà. C'est pas des spawns fixes, quoi. Et ça fait plaisir de... Bah, c'est de l'intelligence de jeu, voir comment tes alliés se déplacent, essayer d'anticiper le mouvement du spawn, etc. C'est pas juste contre le spawn, en deux games c'est fait, voilà, quoi. En trois games, tu fais un world first, six man feed, quoi, voilà. Ok, voilà, un mec dans un coin, on peut pas le tuer, c'est simple. Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. Sur Call of Duty, les mecs, ça doit faire 5 ans qu'ils font des jeux, même plus, ils savent toujours pas faire en sorte qu'on tue un mec dans un coin. Le mec est protégé, quoi. Le mec, c'est comme s'il avait une capote, quoi. Attends, je vais me mettre dans un coin, je vais être invincible. Fils de pute. Bon, lui, il check même pas son... Ouah, mais je sais pas viser. Ouah, ouah. Voilà, lui, il va me tuer, voilà. Alors, ça, c'est l'action cartel typique. Le mec, il est dans le dos, il court normal, tu sais, tout droit. Pas spécialement difficile à choper, moi, j'y arrive pas. Des fois, comme ça, on est des handicapés, on sait pas pourquoi. Hein. C'est tout simplement... La vie est ainsi. Oh, il joue bon, patate. Bon.
Esquive, esquive, meurt. Oh, ce que t'as pris, j'ai rappelé le truc et tout. C'était swag, hein. C'était swag à dance. Mais pourquoi mon truc il cut pas? J'ai appuyé hein, pourtant les gars. Alors. Waouh. Putain, ils sont mis en mode camp hein. Hallucinant. Regarde ça. C'est insupportable hein, par contre les mecs comme ça. Ils sont chauds à avoir mais fou, c'est complexe. Puis en plus en live com quand tu dois parler, etc. C'est pas évident. D'avoir des tryhards quoi. Bon, bah voilà, conclusion, très bon mode de jeu, mais faut pas s'attendre à faire des games de ouf. Parce que bon voilà, il y a du L2, LE2 Kempi là, l'enculé de merde, qui vont jouer leur ratio, qui vont essayer d'être bons quoi, qui vont faire leur desert au player, t'as vu. Moi j'ai quand même fait 36 kills, 42 morts certes. Et bon, on s'en fout, hein? Certes, quand on est des knifers, on s'en fout des stats. D'ailleurs, je sais même pas quelles sont mes stats, on va les checker en live. C'est dans opérateur, player, card, non. Challenges, non. Combat record, voilà. 1,05 de ratio, putain. Je crois que c'est la première fois que je fais du positif en jouant encore au couteau sur un Call of. 260 de score par minute, let's go. 0,58 victoire défaite, bon ça c'est parce que je rage quitte beaucoup, hein, n'est-ce pas? Ouais c'est sympa quand même, hein. J'ai un bon combat de record, je suis fier de moi. Bah voilà, 4 jours de jeu en plus j'ai vu, nice. Bon, bah soyez prudents sur la route les gars, au revoir, c'était Catalpal Mike. J'espère que ça vous a plu. Laissez un like et un commentaire. Bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça, d'habitude je le dis jamais. Bref, peace, I'm out. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that in glory and triumph they can become the momentary masters of a fraction of a dot.